Salut les Frenchy Golfers, aujourd'hui je vous donne l'exercice ultime pour avoir une bonne compression de balle. Vous installez confortablement, on se dit à tout de suite. Comme je vous l'ai annoncé, on va parler de l'exercice pour compresser la balle. Alors déjà, comment est-ce qu'on fait pour compresser la balle? Eh bien, c'est pas très compliqué. Il faut surtout pas laisser passer la tête de club avant les mains et bien tourner le corps. Et pour ça, on a l'exercice ultime. Il faut un club et une baguette. Je vais vous montrer les deux manières de faire cet exercice. Soit on peut juste poser ici la baguette collée au club et taper comme ça, soit la rentrer dans le grip et dans le shaft. Je vais vous montrer les deux. Pour ce qui est de l'exercice, on va coller cette baguette et on va la mettre à sa gauche ici. On monte, normal, pas un plein swing, juste un demi-swing, et on va garder les mains devant et tourner le corps pour éviter que la baguette vienne taper trop fort. Et ça va nous permettre de taper la balle en descendant et d'avoir une super compression de balle. Donc je vous montre déjà juste en collant le shaft et en prenant la baguette dans les mains. Une belle balle basse, bien compressée. Deuxième, on vient insérer la baguette dans le grip. Alors c'est sûr que l'insertion est assez compliquée. Mais c'est ce que je préfère, comme ça on a juste à prendre le club tranquille et on n'a plus à s'occuper de la baguette. Même principe, on met à gauche ici. On tourne et on vient bien tourner devant, pas un plein swing. Cet exercice au début va vraiment vous désorienter, mais petit à petit vous allez vous habituer et ça va vraiment vous aider. Voyez comme j'ai gardé les mains devant et j'ai tourné. C'est un exercice que vous pouvez plutôt faire avec un fer 9, un fer 8. C'est vraiment facile, ne vous découragez pas au début parce que ça va vraiment vous changer énormément. Je vous fais un petit récap juste pour l'exercice. Donc n'oubliez pas ici à gauche, vous montez, vous gardez les mains en avant ici tout en tournant bien le corps. Vous pouvez même le faire, vous prenez l'exercice, vous faites deux balles comme ça, vous gardez un autre club normal, vous essayez de garder la même sensation, vous retapez deux balles et ainsi de suite. Vous pouvez ça, faire ça pendant un quart d'heure, 20 minutes au practice. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer en bas à gauche pour vous abonner et activer la notification pour ne rien rater de la chaîne. Vous pouvez me lâcher un petit like, ça met un vrai coup de pouce à la chaîne. Mettre un commentaire, une idée de vidéo, me faire un retour sur l'exercice si vous l'avez essayé. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !